Tout le monde, bienvenue sur la chaîne Freddy 134. Bon, comme il le dit le titre, les gars, on a le glitch des appartements. Donc, ça sera pas le mode réalisateur, l'argent frisé, ça sera que les appartements. Donc, ça se fera avec les deux joueurs. Le premier joueur, il faudra qu'il ait les appartements les plus chers sur l'emplacement 4, 5, 6. Les plus chers, vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez 500 000, vous achetez un appart 500 000, vous le mettez où? Dans le 4 ou dans le 5 ou dans le 6, petit à petit, vous faites un roulement. D'accord? C'est après au maximum, vous aurez les appartements les plus chers sur les 3 derniers. Ok? Après, vous allez dans votre personnage 1. Donc, c'est l'un ou l'autre, hein, vous vous en foutez de qui vous allez faire. Vous retournez sur votre personnage 1. Et là, il faudra qu'il y ait les appartements 4, 5, 6, les moins chers. Donc des garages 2 places. Vous n'allez pas perdre vos voitures. Elles seront stockées dans un entrepôt. Prenez des garages à 2 places. Vous enquiquinez pas. Faites le maximum de bénéfices. Voilà. Donc un gros big up à Sam's Gaming, les gars. Je mets sa chaîne dans la description. C'est lui qui l'a traduit d'un anglais là. Il y a une vidéo qui était sortie. Et il a réussi à la traduire et il a réussi à le faire aussi. Voilà, gros merci à lui pour tous les abonnés. Il est génial ce poteau. Allez, abonnez-vous les gars, si vous n'êtes pas abonné, un petit pouce bleu pour soutenir et on vous envoie le glitch direct. Vous le savez qu'on est au taquet, nous on n'attend pas. Voilà, on se retrouve sur le personnage 1, donc celui qui aura les appartements les moins chers. Et il faudra que vous partiez faire le glitch en histoire avec celui-là, celui qui a les appartements les moins chers. Parce qu'on va faire bugger celui qui a les appartements les plus chers. Peu importe si c'est le 1 ou le 2, le but c'est d'aller avec celui qui a les moins chers. Allez, là on se retrouve en mode histoire, on va faire charger, donc on va faire option, jeu, charger. Ça va nous éviter d'aller dans le braquage. Si vous arrivez dans le braquage, pareil, vous faites option dans le braquage, vous allez dans le jeu et vous allez charger. Ce que vous l'avez pas fait avant, on peut pas aller à la caravane direct, c'est le patch, ça fait partie du patch. Allez, voilà.
Donc là, on va aller à la caravane, on va lancer le menu mode réalisateur. Là, vous allez dans accéder au mode réalisateur. Là, vous allez ouvrir votre menu. Vous allez dans éditeur de décor. Dans éditeur de décor, vous allez faire X. X, 5 fois flèche de gauche et vous allez tomber sur ce conteneur-là. Vous allez faire une fois X et option. Et là, on va aller dans éditeur de Rockstar. Donc ça marchera que pour PS4, les gars. Là, vous allez dans profil, activité récente. Et là, je vais chercher à acheter un véhicule. Il vous faudra ce message-là, lancer GTA Online. Là, vous faites PS, X, vous revenez dans le jeu, vous lancez mode réalisateur. Une fois que vous avez validé ce message, vous faites deux fois PS et vous allez dans l'activité récente, lancer GTA Online. Et là, vous refusez ce message. Vous faites rond. Donc là, c'est good. C'est maintenant que ça va changer, d'accord, l'histoire? Vous allez aller en ligne. Vous allez choisir personnage. Donc dès qu'on a choisi le personnage, on va attendre la pub. Il va y avoir une pub là. Dès qu'il y a une pub, je fais PS, je vais lancer Media Player. D'accord? Là, c'est lancé, je refais PS, je vais dans paramètres, je vais déconnecter le réseau à Internet. Je reviens dans le jeu, j'ai cet écran noir. Je refais PS, je remets Internet. Là, je reviens dans mon profil et je vais lancer une activité récente. Voilà. Vous faites ça assez rapidement et ça va le faire. Donc, vous allez dans une activité récente, comme tout à l'heure, acheter un véhicule ou quelque chose qui vous lance à GTA Online et vous validez tout. Voilà. Et là, ça va vous mettre à un choix de personnage. Donc quand on va choisir le personnage, on va choisir le personnage qui a les appartements chers. On ne veut pas aller directement online. On va faire bugger là maintenant. Donc là, vous allez choisir le personnage qui a les appartements chers. Donc c'est la fille, vu qu'on est venu avec le mec en mode histoire. Il faudra que ça soit la fille. Donc là, vous cliquez. Vous avez encore une petite manip à faire là. Donc là, on va patienter, il va y avoir un chargement infini. Et à un moment, ils vont nous dire erreur de connexion, comme quoi ils veulent pas, quoi. Donc là, on va attendre ce message. Une fois qu'on a ce message, vous allez être bien patient parce qu'il va falloir, pour réussir, c'est pas le tout de faire ce message, c'est d'attendre 10 secondes sur le message qui va arriver. Si vous attendez pas 10 secondes, vous allez fail une fois sur deux. Donc là, le message va arriver. Donc pour pas fail, moi je vous conseille de patienter 6 secondes, les gars. Voyez ce message-là, vous patientez 6 secondes au moins. Minimum.
Une fois que vous aurez patienté 6 secondes, vous allez valider et faire PS, fermer l'application. Vous fermez le jeu direct. Vous fermez le jeu et on va le rallumer et spammer L1 R1 pour avoir un recalibrage. Donc là, après la femme, il va avoir un écran noir de suite. Après la femme, vous faites L1 R1. Si vous n'avez pas le recalibrage, là, vous faites L1 R1, vous voyez là? Jusqu'à temps que vous ayez l'autre cinématique. Voilà, dès qu'on a cette cinématique. L1 R1, voilà, jusqu'à là. Faites L1 R1 jusqu'à là. Après, vous allez avoir le carré de recalibrage. Si vous ne l'avez pas eu, vous refermez l'application et vous recommencez. Faites L1 R1 juste après la femme, dès qu'il y a l'écran noir. Et ça y est. Voilà. Donc là, vous voyez, vous aurez recalibrage de la luminosité. Une fois que vous avez ça, les gars, c'est bon. Vous êtes au calme. Vous avez fait 1 400 000 en 10 minutes. Là, j'ai plus qu'à aller en histoire. Et ensuite, retourner online, vendre mes apparts et recommencer. Voilà les photos. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Vous allez vous faire masse d'argent. Un gros pouce bleu, les gars. Un soutien. Parlez-en à tout le monde. Abonnez-vous. Et vous inquiétez pas. Il y aura d'autres vidéos. Donc, comme je disais, je vais vous mettre dans la description, je vous mets pour faire les tenues. Pour avoir des tenues modées. Donc, je vous ai fait des vidéos, je vais vous les mettre dans la description, les potos. Je vous fais une grosse bise. Bon glitch. Ciao, ciao.